On peut traverser de là-haut. Bon, on va retourner voir Ildis Vini. Et après? Nous sommes venus pour aider Freya. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Mais pourquoi des raccourcis comme ça, moi? Oui, père. Viens pas! Attention! Est-ce que toutes les plantes ici veulent nous tuer? Non, seulement celles qui sont colériques. Oh Qui est-ce? Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Kratos, Atreus, ainsi cette éclipse était de votre fait? Merci d'être venu. Bigvir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Bayla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. La mèche ne laisse que 30 battements de cœur. Ça suffira. Commence à compter quand tu verras le signal. Bien, Kratos. Partons sans tarder. Bon travail. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent Freyr dans le temple de ton père? Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Bayla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois.
Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hiddis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de Freyr.